en Europe pour de soins médicaux. Et pour ceux qui ne savent pas, déjà, ça faisait 3 mois que Simaro était en Europe pour des soins appropriés. Hélas, cette fois-ci, la maladie a eu raison de lui. Il a rendu l'âme ce matin. Et ce qui est un peu... comme souvenir, chaque fois qu'on posait à Simaro une telle question sur la mort d'un ami, d'une relation à lui, il demandait toujours aux journalistes, vous soignez quelle maladie? Et vraiment, ça m'a fait penser à lui avec cette question de quoi souffrait Simaro. Mami Lutumba est parmi le rare musicien honoré de leur vivant. Alors, quelles sont les dispositions prises à cet instant pour ses obsèques? Il est vrai que Lutumba est l'un des rares artistes qui a été honoré dès son vivant. Et bien sûr, ses obsèques seront à la dimension et à la grandeur de cet artiste qui vient de nous quitter. C'est du reste le premier artiste de cette dimension, de cette carrure, que le nouveau président Félix, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, va devoir conduire en sa dernière demeure. Évidemment, pour les obsèques de Simaro, ça va se passer, ça doit se passer avec beaucoup de discipline. Et rappelez-vous, c'est un que nous pleurons en ces jours, et la meilleure façon de célébrer et de pleurer Simaro, c'est de célébrer à travers ses chansons, de diffuser ses chansons tout au long de ses obsèques. Et pour rappel, notre confrère Paulin Mukendi a déjà eu en son temps initié une série d'émissions Aimons-nous vivants, dont la dernière édition a du reste été consacrée à Lutumba Simaro à l'occasion de ses 80 ans d'âge. Eh bien, évidemment, c'est un sage que nous pleurons, et donc qui devient son groupe. Pour ce qui est de son groupe, eh bien, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le groupe va succéder à Simaro, puisque de son vivant, il avait déjà choisi le chanteur Manda Chante pour lui succéder. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Banaoke est là. Banaoke va succéder à Simaro. Parlons un peu de son héritage. Maman, nous voulons savoir qui sont aujourd'hui ses héritiers et quel rapport entretenait-il avec les autres musiciens? Les héritiers de Simaro, mesdames et messieurs, tous, à défaut d'avoir chanté pour Simaro, tous ont chanté Simaro. Et à part la grande famille Oke Jazz, la grande famille Banaoke, bien, Lutumba a traversé toutes les générations. Il a chanté avec Papa Wemba, avec Pangolove, avec Mbili Avel, avec Pembe Chiro, avec Pepe Kale, avec Ferregola, avec Félix Oazekwa. Donc les héritiers de Simaro sont là. Ils sont là bien vivants, ils ont une manière spéciale qui vont pérenniser l'œuvre de ce monument que nous pleurons ce jour. En tout cas, mamie, il est la IAFA. Merci pour toutes ces précisions sur les parcours et les circonstances du décès de l'artiste musicien Lutumba Simaro Massia. Merci beaucoup, Toto Songo.